Développer la pratique du Kung Fu Wushu à Marseille chinois en Côte d'Ivoire, c'est la mission de la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois. Grâce à l'ambassade de Chine à Abidjan, elle a pu envoyer deux karatékas en immersion en Chine dans un temple Shaolin. Ils vont être rejoints par quatre autres Ivoiriens. Pour les moines Shaolin, le Kung Fu permet d'avoir une bonne santé et une solide armature morale, en plus des techniques de combat. Ils sont prêts à en faire la promotion en Côte d'Ivoire. Bon, on espère finir la formation et revenir jouer en Côte d'Ivoire, comme les moines, les chinois le font, ouvrir une école d'arts martiaux et enseigner cette culture que nous apprenons en Shaolin. Beaucoup n'ont pas cette chance d'aller apprendre. Alors nous, on a reçu cette opportunité, cette grâce-là. Si jamais on finit la formation, on va revenir ici, enseigner ensemble avec les Ivoiriens, développer cet art que beaucoup cherchent, beaucoup rêvent à apprendre. On va les apprendre tous ensemble, on va développer le Wushu en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois s'associe à la campagne de promotion de la paix de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la Science et la Culture. Au-delà de l'aspect martial, le Kung Fu intègre les valeurs indispensables à la cohésion sociale des pratiquants. La pratique Shaolin est avant toute chose une pratique d'élévation de l'esprit qui cultive donc la tolérance, la paix, les vertus et l'humilité qui permet donc de tendre vers les bons citoyens. À côté de cela, évidemment, il y a la pratique martiale qui vient s'ajouter. Donc nous voulons que la société ivoirienne comprenne cela pour savoir que les arts martiaux chinois, c'est un ensemble de pratiques transversales, à la fois physiques, mais beaucoup intellectuelles, mentales et spirituelles. La Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois compte plus de 1500 licenciés. Elle va organiser des compétitions à l'intérieur du pays pour développer la discipline en direction notamment des enfants à partir de 5 ans.